Mesdames et messieurs, bonjour, et je devrais dire assalamu alaikum parce que je voudrais en profiter avant que bientôt ça ne soit interdit d'utiliser un langage islamique, n'est-ce pas, en France. Donc, assalamu alaikum, mes chers invités. Aujourd'hui, je reçois deux représentants d'une association caritative et de défense des droits de l'homme qui, malgré elle, a défrayé la chronique. On en a entendu parler, des centres de police, accusations qui n'est pas claire et on va en parler aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout à fait pour cela qu'ils sont nos invités aujourd'hui, c'est surtout pour nous expliquer ce parcours exceptionnel qu'ils ont effectué en 5 années d'existence pour devenir une référence dans les œuvres caritatives musulmanes, dans les mouvements engagés et pourquoi cette adhésion de la jeunesse française, particulièrement musulmane, qui adhère à votre action et à votre engagement et à vos idées également, pour ne pas dire idéologie, puisque vous n'êtes pas un parti politique, mais une association caritative à but non lucratif. Le président de cette association que je nomme, qui s'appelle Baraka City, c'est Monsieur Idriss Hamidi, avec un de ses collègues, Chef de projet chef humanitaire. de projet humanitaire, Monsieur Moussa Chenchunyang, donc qui n'est pas du tout chinois, et qui est d'origine africaine, mais tous deux français. Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci. Merci. Je vais, si vous le permettez, m'adresser à Idriss Hamidi en tant que président de ce mouvement. D'abord, comment vous avez eu, vous et vos amis, l'idée de créer cette association? Dans quel but? Parce que d'aucuns vous diraient, des associations caritatives, c'est bien, mais il y en a déjà. Pourquoi ne pas avoir eu l'idée de renforcer celles qui existent? Qu'est-ce qui vous différencie de celles qui existent et pourquoi le mot Baraka City? Alors, bismillah wa salam. Cette association, en fait, j'avais décidé de l'entreprendre déjà, en fait, simplement parce que à l'origine, moi, je travaillais dans la communication. Donc, j'avais une agence de communication et puis de la communication, on va dire le secteur professionnel, on va dire tout ce qui est tout ce qui est commercial, etc. C'était pas quelque chose qui était, on va dire, qui était dans mes perspectives d'évolution. En tout cas, c'est pas ce dont à quoi j'aspirais. Ensuite, j'ai rencontré différents acteurs qui étaient déjà présents. À l'époque, c'était le Muslim Hand, ça pouvait être aussi le CBSP, le Secours Islamique France, avec tout le travail respectable hein, qu'ils font, un gros travail qu'ils ont fait dans le monde entier. Ils ont en tout cas le mérite d'avoir été les pionniers. Les pionniers, bien sûr. C'est un exemple. C'est bien sûr. En fait, ce qui nous diffère, et moi, ce que je voulais, en fait, il y avait, moi, en tout cas, pour ma part, je vois qu'il y avait une certaine des méthodes de travail qui étaient peut-être différentes. Comment ça s'est passé? Bah, très simplement, je me suis dit qu'en fait, ça serait bien qu'une organisation humanitaire puisse effectuer des opérations humanitaires. Les personnes en fait qui en font la promotion puissent être présentes directement sur le terrain et faire état de la situation. Et ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on retrouve malheureusement à l'heure d'aujourd'hui chez d'autres organisations. Ça commence, on commence à le voir par le biais de vidéos, de photos ou d'autres choses. On le voit chez certaines organisations qui ont émergé à la suite de C'est un notre. point très important, si vous permettez que je vous interrompe, faire état de la situation. C'est ce qui, selon vous, vous différencie des autres associations caritatives, parce que j'insiste sur le mot association caritative qui fait la charité, même si elle n'est pas toute chrétienne, mais elle est musulmane dans votre cas. Pourquoi faire état de la situation? Qu'est-ce que ça change à votre œuvre humanitaire? Bah, ça nous permettra, si vous voulez, d'interpeller l'opinion publique et ensuite de stimuler le don et de sensibiliser le donateur Mais est-ce qu'il sur. n'y a pas le risque de vous voir prendre parti en le voulant ou sans le vouloir, Prendre parti. en dénonçant des exactions ou des injustices dans les pays où vous intervenez? Est-ce que vous n'avez pas, vous ne risquez pas plutôt, vous n'avez pas le sentiment que vous pouvez devenir un acteur indirect d'un conflit qui n'est pas le vôtre? Absolument pas. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut prendre parti. Il faut prendre parti pour la justice,
faut prendre parti lorsqu'il y a des exactions. Je me rappelle d'une phrase d'un des, c'est-à-dire une question d'un journaliste de France 24, si je me trompe pas. Il m'a dit, écoutez, vous défendez les musulmans en Centrafrique. À croire que c'était un Un délit, ou en tout crime. cas, c'était, voilà, ça, en tout cas, c'était, ça l'avait C'est une intrigué. accusation. En tout cas, c'était, ça l'avait intrigué. Et je lui ai répondu très simplement que nous, le but de notre organisation, c'est de se ranger du côté des minorités ou de se ranger du côté des victimes. Et en l'occurrence, là, la victime, pour le coup, elle était musulmane. Voilà, majoritairement, ce sont des musulmans qui ont été massacrés. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a un grand manque. Il y a un grand manque. Il y a des aides qui n'ont pas été apportées à certaines minorités musulmanes, comme en Birmanie, comme en Centrafrique ou comme dans d'autres pays. Et donc, je pense, oui, qu'il faut prendre à un moment donné, il faut avoir des positions, il faut avoir des positions, il faut après, bien sûr, éclaircir les faits qu'il y a sur le terrain, par la Si diffusion je vois d'informations. l'historique de certaines associations caritatives très connues, très célèbres, ne serait-ce que par la célébrité de leurs dirigeants, je ne vois pas ce qu'on peut vous reprocher puisque vous n'êtes pas les premiers à le faire en vérité. S'engager idéologiquement tout en apportant une aide humanitaire, vous n'êtes pas les pionniers. Nous avons le célèbre Bernard Kouchner avec son sac de riz sur le dos, et qui, lui, a inventé le droit d'ingérence. Donc c'est bien qu'il fait de la politique et de l'humanitaire en même temps. Qu'est-ce qu'on vous reproche? Est-ce que c'est parce que vous vous appelez pas Bernard, mais Idriss? Non, c'est-à-dire qu'on est. Je pense qu'on est victime. Peut-être. Tout de Déjà. suite, le discours de la victime, la victimisation. Mais Non, ça, c'est. c'est pas votre discours, ça, ça Non, c'est appartient pas. à d'autres. Non, pas du tout. Mais il faut bien comprendre. À un moment, il faut bien qu'on essaie de comprendre les problèmes que l'association Baraka City essuie à l'heure d'aujourd'hui. D'accord. On parle, quand je parle de problème, hein, juste une petite parenthèse, on parle d'une clôture brutale et unilatérale de compte du CIC et de Société Générale sans Sans explication. raison, sans fondement. Sans fondement. Par la suite, 19 reçus d'ouverture, 19 refus d'ouverture de compte de plusieurs banques. Donc c'est vrai que ça nous intrigue et on se pose un certain nombre de questions, sachant que nos comptes sont validés par un commissaire aux comptes et donc ils sont conformes au droit français. Vous êtes des voleurs, vous êtes des braqueurs, vous êtes des bandits des grands chemins. Pourquoi on refuse de vous ouvrir un compte? C'est, alors là, si vous voulez, Ou ça a bien été. vous manquez de transparence, peut-être dans Alors, l'origine de vos fonds? dans la mesure où les comptes sont validés par un commissaire aux comptes, là après, si vous voulez, c'est plus dans mes compétences à moi. Hein. Ça, c'est la responsabilité du commissaire aux comptes, hein, comme l'avait expliqué Jean-François Copé Non, mais entre nous, avec là, on est entre nous. L'argent que vous recevez, il vient dans des petites valises ou dans des petites mallettes. Ça vient des. C'est le don des petits chefs d'État africains, comme Non. on a vu le cas avant. Non, 90% des dons, 90%. Si ce n'est plus, 90% de dons sont des dons qui sont faits sur la plateforme PayPal, donc une plateforme qui est extrêmement sécurisée, par chèque ou aussi par virement. Après, il faut savoir qu'on Donc dé totalement traçable. bien sûr totalement traçable, on démarche pas plus que ça. Les mosquées, les événements qu'on fait, ce sont des événements où on ne collecte pas des sommes qui sont si importantes que ça, dès l'ordre peut-être 2 000 ou 2 000 ou 3 000 euros, grand maximum. Donc, si vous voulez, on ne vient pas, pour répondre à votre question, on ne vient pas avec des sacs remplis de billets et puis on dépose cet argent-là dans les banques. Donc, et ça a été l'objet du scandale, en fait, ça a été l'objet du scandale et de l'indignation de nos donateurs, de savoir pourquoi il n'y a pas de réponse et pourquoi on n'a pas, nous en tout cas, on n'a pas eu de réponse de la part de. Alors, en clair, s'il vous plaît, et là je m'adresse aux deux, qu'est-ce qu'on vous reproche? Je ne parle pas de l'incident de la descente de police dont on va parler en détail tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on vous reproche puisque l'incident dont je parle de descente de la police, c'est le dernier en date. Mais les ennuis, les fermetures de comptes, les pressions de toutes sortes, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous trouve? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Depuis qu'on a commencé, on va dire, à avoir certaines positions concernant le combat, comme ça l'a été pour la Birmanie ou la Centrafrique, on a pris des positions. Concernant votre engagement ou votre combat, vous êtes en guerre, un combat? Alors justement, c'est un combat idéologique, dans le sens où il y a un conflit qui est sur place, et nous, on va défendre des intérêts. Des intérêts, quels sont ces intérêts? Ces intérêts où, comme il a expliqué Idriss, où il y a des musulmans qui sont persécutés, où il y a une épuration ethnique, et nous, dans ce sens-là, dans nos valeurs et dans notre combat, on combat Mais c'est justement. silence en tourne, cette épuration ethnique. Hein. C'est silence en épure. Il n'y a personne qui en parle. Hein. Alors, ici, beaucoup de monde en parle.
beaucoup de monde en parle, il est là le problème. C'est qu'il y a des organisations comme Human Rights Watch qui en parlent, Amnesty International. Je parle des médias. Il n'y a pas, ce n'est pas relayé, il n'y a pas d'indignation comme on voit les indignations à juste titre pour d'autres crimes moins importants, mais moins massifs. Mais on ne voit pas la Birmanie prendre... Et il est là notre combat. Et justement, je voudrais faire une petite parenthèse sur M6. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux jours, il y a eu un reportage que M6 a fait. Alors, je vais vous faire un petit historique. Il y a à peu près un an maintenant, c'est ça, hein, c'était avril dernier. Ils ont fait une émission qui s'appelle Pékin Express. Ils ont fait une émission Pékin Express en Birmanie. Nous, on intervient en Birmanie, on a vu ce qui se passe en Birmanie, on est témoin de ce qui se passe, et on voit M6 faire une télé-réalité, un show, plus ou moins dans un pays où subit un génocide envers les musulmans. À partir de là, nous, on a fait une communication qui était assez agressive concernant cette émission. Ils ont plus ou moins fait profil bas, les sponsors se sont retirés. Et il n'y a pas plus tard que deux jours, M6 a fait un reportage concernant cette minorité musulmane. Donc pour nous, il est là le combat. C'est justement de montrer, de monter, de mettre en haut. C'est un combat pour les droits et pour l'égalité de la perception des choses et des souffrances. Exactement. Et sensibiliser l'opinion publique et ensuite en faire un débat public et interpeller les politiques. Donc vous qui êtes français, pourquoi vous n'aurez pas le droit de faire ça? Pourquoi on vous persécute? Parce que c'est le mot. Non, c'est-à-dire... Est-ce qu'on nous persécute? C'est pas sympa ce qu'on nous fait, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Est-ce qu'on nous persécute? Je ne sais pas si je peux parle dire... en tant qu'association, pas en tant que personne. Ils sont pas là c'est en vrai train que de... le jugement qu'on reçoit, il est disproportionné. Non, c'est les procès d'intention et puis les propos et les articles suspicieux, douteux, calomnieux parfois, c'est vrai qu'ils sont. C'est vrai qu'il relève d'un problème dont les musulmans sont victimes en France. C'est quoi ce problème? Parce que tout le monde tourne autour, personne ne veut le nommer. Ah non, ce problème est très clairement, c'est l'islamophobie. C'est horrible ce que je vais dire. Mm-hmm. Mais est-ce que ce rejet de l'islam, cette haine de l'islam, c'est ça l'islamophobie, mm-hmm. c'est la peur, la haine de l'islam, mm-hmm. n'est pas la résultante de ce que M. Valls qualifie d'islamofascisme, ça veut dire des crimes des musulmans? Puisque maintenant, Roger Kuckermann dit que toute la violence, toute, pas une partie, toute la violence est d'origine musulmane. Ces propos-là sont littéralement scandaleux. Et ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que un certain nombre de personnes, hein, et je vais les citer très clairement, par exemple le CFCM, ils se sont prononcés, d'ailleurs ils ne sont pas partis, mais je pense qu'il n'y a pas une réponse qui est appropriée à la lourdeur de leurs propos. Et on n'est pas face à un débat qui est équilibré, on est dans une situation, là, littéralement une situation de faiblesse, un débat là toujours qui n'est pas équilibré. On a pu le voir d'ailleurs en l'occurrence lors des derniers événements du Charlie Hebdo, où il a fallu qu'un certain nombre, en tout cas les imams étaient appelés en ce sens, et puis les politiques d'ailleurs ont appelé les imams en ce sens. Vous êtes Charlie, vous de... Est-ce qu'on est Charlie? C'est oui. Une très bonne question. Charlie, nous, c'est une histoire qui nous a été... on a été interrogé dessus. Donc, ça a été un long débat. Justement, ici, ça a été un débat national. Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie. Et nous, pour nous, en tant que ONG humanitaire, on n'avait pas à se prononcer là-dessus, parce que d'abord, on a vocation à faire de l'humanitaire. Et on se prononce là où on intervient, là où on a vocation à intervenir. Donc, Charlie... Alors, pourquoi on exige des musulmans presque de s'excuser de ce qu'ils n'ont pas fait? Non mais c'est ça le problème. Je suis Charlie ou je ne suis pas Charlie, c'est-à-dire ma conviction personnelle ou au nom de l'organisation. Non, je vous reçois en tant que Baraka City, voilà, aujourd'hui. En tant que Baraka City, si vous voulez, c'est on se refuse à l'autoflagellation et passer par le filtre de la justification et de la repentance et d'actes qu'on n'a pas commis, qu'on n'a pas financé et qu'on n'a pas véhiculé et qu'on n'a pas partagé. À partir de là, je pense que, et ça d'ailleurs je l'avais dit, lorsqu'il y a eu les derniers bombardements sur la bande de Gaza pendant un mois béni, un mois qui est très important pour les musulmans, le mois du Ramadan, on n'a pas demandé à la communauté juive de désolidariser de ces enfants qui ont été tués, qui ont été condamnés par un certain nombre de politiques.
qui était très minime, puisqu'il y a un communiqué de... Oui, mais là, on peut vous rétorquer que vous importez le conflit israélo-palestinien en France, que vous importez des conflits qui n'existent pas, alors que Charlie Hebdo, c'est un crime qui a été commis en France, et non pas dans un pays étranger. Donc, peut-être... On est d'accord, mais là où nous on intervient, c'est qu'on intervient à Gaza. Donc là, on a un droit de parole. Mais nous, on n'intervient pas avec ce qui s'est passé ici en France. Mais c'est ça, en fait, c'est, voilà, justement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'une vie a plus, une âme a plus de valeur qu'une autre. Moi, je ne dis pas ça, non, moi, je vous pose la question. Bien sûr, bah, justement, c'est-à-dire que là, il faudrait sensibiliser l'opinion publique, c'est-à-dire que l'indignation, elle ne doit pas être sélective. L'indignation, elle doit être générale, c'est-à-dire, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas équilibré. Et que lorsque maintenant on voit qu'il y a des enfants, on ne parle pas de 1, 2, 3... La France qui est, y a des journalistes, et elle aime à le dire... Le chantre des droits de l'homme, le pionnier de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, le défenseur de la veuve et de l'orphelin, réagit à juste titre au massacre des journalistes, quel que soit le motif avancé, ils ne méritent pas la mort. Ça, c'est une certitude. En tant qu'humain, on a le droit de penser cela. Pourquoi il n'y a pas eu cette mobilisation contre l'horreur, contre le crime, sur tout ce qui se passe en Syrie, où des centaines de milliers de gens meurent, sont assassinés, en Irak, où tous les jours, c'est pas les 17 qui sont morts dans Charlie Hebdo, c'est multiplié par 10 quotidiennement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une mobilisation internationale pour ces victimes totalement civiles et innocentes? Si vous voulez, exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on porte le deuil d'un certain nombre de personnes. Toi, Moussa, tu avais vu un journaliste, d'ailleurs, un journaliste qui avait suivi le convoi qui est décédé. Allah yarhamahu. On n'en a pas parlé plus que ça. C'est-à-dire que je reprends les propos d'une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est Youssef Benderbal. Du CBSP, qui disait que le conflit israélo-palestinien est le plus médiatisé, ou plutôt le plus mal médiatisé. Et en fait, c'est-à-dire que le problème, il est là. Donc, quand on parle de combat, on parle d'un combat pour essayer de gagner les consciences, d'essayer de sensibiliser l'opinion publique autour de ce qui se passe, et surtout d'apporter un débat qui est équilibré à la communauté musulmane ou toute autre personne qui pourrait être sensible à nos causes. Alors, moi, je vais mettre l'épée dans le plat. Est-ce que le fait de vous voir là, en apparence tel un salafiste avec votre barbe et votre moustache rasée, votre koufia sur la tête, est-ce que ce n'est pas cette image cliché qui inquiète les autorités, qui ne devraient pas, puisqu'elles devraient aller sur le fond des choses et non pas sur les apparences, et voir si vous êtes en conformité avec la loi française? C'est la seule chose qui doit régir les rapports entre l'État et le citoyen. Est-ce que le citoyen est en conformité avec les lois? Dans ce cas, pourquoi toute cette pression sur votre association? Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'être engagé religieusement, parce que vous n'allez pas vous en cacher et même vous le réclamez, vous avez une idéologie issue de votre croyance et de votre foi, ce qui est votre droit dans une république comme la France. Voir que vous avez des centaines de milliers, si ce n'est des millions d'euros à votre disposition, est-ce que ce n'est pas ça le vrai motif qui fait peur aux autorités françaises? Alors déjà, pour reprendre dans l'ordre, moi je balance beaucoup de noms. Hein. Allez-y. On est là pour ça. On est là pour ça. Donc, on était au stand du Bourget, il y a Samir Amgar. Samir Amgar qui... j'ai oublié son titre d'ailleurs. Mais ça a l'air d'être une personne importante qui se... Dans la défense, c'est ça, qui travaille... Oui, mais qui a aussi un poste, qui a aussi un poste aussi important sur les questions autour de l'islam, qui m'a demandé, qui lui-même se posait des questions quant à notre tenue vestimentaire, quant à notre barbe, et en gros, quant à l'intégration, notre intégration au sein de la France. Je rappelle tout de même, entre guillemets, très vite, que l'abbé Pierre n'était pas différent de vous, il avait la même barbe pratiquement. Oui, bien sûr. Mais avant que tu continues, je vais juste dire un truc qui est extrêmement important, après tu continueras, excuse-moi Idriss, c'est que le fait d'avoir cet aspect décontracté, comme on dit, le salafiste, pour nous il est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui il y a une islamophobie en France qui est très présente, et les gens ils ont peur de quoi? Ils ont peur justement de ce salafiste-là. Et nous justement on veut montrer que ce salafiste-là, eh ben, il n'est pas ce qu'il pense.
en montrant notamment notamment. C'est peut-être pour ça qu'on lui demande de dénoncer et de condamner les exactions faites au nom du salafisme par Daesh ou par d'autres ou par Al-Qaïda. Oui, mais en même temps, nous, c'est pas non plus par hasard qu'on vous demande de vous justifier. Mais en même temps, nous aussi, il y a nos actions qui nous prouvent chaque jour ce qu'on fait. Personne ne les connaît, ces actions, sauf ceux qui s'intéressent à vos actions. Non, majoritairement, on est connu. On est connu quand même. On est une organisation humanitaire. Qui a pignon sur rue. Voilà, qui a pignon sur rue. Le premier pays dans lequel on a opéré, c'est un pays majoritairement chrétien et animiste. Donc maintenant, qui est le Togo. Qui est le Togo. Qui est le Togo. Donc, c'est-à-dire, je rappelle que vous êtes implanté dans une vingtaine de pays. Dans justement le Togo qui était votre première base hors de l'Hexagone, le Togo pardon, et que vous êtes aussi, vous agissez à Gaza, j'allais dire vous sévissez, à Gaza, en Syrie, en Birmanie et dans d'autres zones de conflit, comme en Centrafrique, parce que c'est justement là votre mission. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, pourquoi l'État, par le biais de son procureur, décide-t-il de vous envoyer une armada pour vous tomber dessus, faire des fouilles faire une action musclée? Qu'est-ce que vous avez fait? Quel crime? De quel crime vous accuse-t-on? Alors, très simplement, ce qui s'est passé, il y a 20 ambulances qu'on a décidé qu'on décide d'envoyer en Turquie. Des ambulances, une vingtaine. Oui. Une vingtaine d'ambulances, plus précisément, qu'on décide d'envoyer en Turquie. Donc, il y a Pourquoi en Turquie? Les Turcs sont riches. Sont riches, ils n'ont pas besoin de vos ambulances. C'est une des plus grandes puissances économiques en développement aujourd'hui. En Turquie, pour que ça puisse être réceptionné par notre bureau Baraka City en Turquie, pour que ça puisse ensuite rentrer en Syrie, donc avec un certain nombre de partenaires. Ouh là là, en Syrie, vous vous rendez compte, monsieur? Il y a des gens là-bas, il y a des... Al-Qaïda, il y a Ansar al-Sharia, il y a Daesh, ça va où en Syrie? En Syrie, on travaille avec beaucoup d'organisations humanitaires. On travaille en collaboration avec des organisations humanitaires. Ça part dans des zones là où les victimes en ont besoin. Quand on parle de victimes, on parle des victimes de la guerre. Des victimes civiles ou bien des soldats qui se battent? Non, c'est des victimes. De toute façon, il y a nos logos dessus. Donc après, on pourra voir très simplement. Sauf si après, on se les fait voler. Hein, chose qu'on ne souhaite pas. qu'on ne maîtrise pas aussi. Voilà, chose aussi qu'on ne maîtrise pas. Maintenant, après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé d'inaugurer ça avec un drone à basse altitude sur notre parking privé. Qu'est-ce que ça veut dire, inaugurer un drone et où? En Syrie ou ici en France? Ici en France. Non, en France. D'accord, un drone. C'est des mots qui font peur, tout ça. C'est vrai. Ça veut dire que, en fait, c'est comme les jouets téléguidés. C'est un petit jouet. C'est un petit jouet. Sur lequel vous placez une caméra. Voilà. On place une petite caméra. Donc, on avait décidé, pour avoir une vue grand angle, de filmer, en fait, les 20 ambulances. L'ensemble de vos ambulances. L'ensemble de nos ambulances. Peut-être qu'il fallait demander une autorisation de survol de vos ambulances. Mais en fait, on était à l'aviation civile. Ouais. Ou à l'armée. On était dans le parking privé. On était dans le parking privé. Dans le cadre privé. Quoi qu'il en soit, on va dire, s'il y a un délit, on le conteste. Donc c'est ça qu'on vous reproche. D'avoir utilisé un jouet volant téléguidé, aujourd'hui plus communément facilement appelé drone, pour filmer vos ambulances. Officiellement. Et là, combien de policiers et d'agents de l'État vous sont tombés dessus? Non, ce qui s'est passé, c'est que 2 heures après les faits, il y a eu l'interpellation du conducteur du drone. Donc moi, je me suis tenu prêt à leur donner toutes les informations quant à la régularité du drone. Et puis, tous les éléments qui allaient leur permettre de travailler tranquillement. Et 2 heures après, donc 5 véhicules de police avec le chef de la police de l'Essonne se présente dans nos bureaux, on nous notifie que notre bureau va être perquisitionné et que tous les PC portables et les disques durs vont être visionnés, fouillés, sinon ils seront directement embarqués. Donc moi, d'emblée, j'ai demandé s'il y avait déjà un document à signer ou me faisant état de cette décision, de qui elle venait. Donc après, par la suite, par le journal Le Parisien, j'ai appris qu'elle venait du... c'était une décision du procureur. Mais une perquisition, normalement, on doit vous montrer un mandat. Alors, on doit nous montrer un mandat. En tout cas, on doit nous faire signer quelque chose. En tout cas, on doit nous faire signer un document. Un document qui a été fait signer à,
à une personne là aussi qui lui était, a été interpellée avec le conducteur du drone. Moi, en fait, ce que je mets en avant, c'est-à-dire que c'est une descente et c'est un effectif de police qui a été disproportionné par rapport à ce qui a été, par rapport à ce qui a été fait. Voilà, c'est tout. Il y a eu. Vous reconnaissez les faits? Bien sûr, Bien sûr bien que oui, sûr, on bien reconnaît sûr, les non. faits. On reconnaît les faits. Après, c'est vrai que la perquisition en soi, elle s'est passée dans des conditions qui sont quand même mystérieuses, puisque les personnes ont été Très fouillées. sincèrement, vous ne pensez pas que l'État français, dans la frilosité qu'il y a suite aux attentats qu'il y a eu, de toutes ces inquiétudes, est en droit de vérifier, parce que peut-être que il a oublié de vérifier si vous n'étiez pas une cellule terroriste, On est parce que vous pouvez d'accord. vous cacher derrière des œuvres humanitaires pour favoriser des actions terroristes. Il est en droit de se poser la question, l'État. Donc particulièrement dans ce climat de tension extrême, les médias se sont mobilisés, 3 millions de personnes manifestent, etc. Attentat Charlie Hebdo, et vous, tranquillement, l'accusation, c'est flagrant délit d'utilisation de drones à basse altitude. Pensez pas que ça pourrait pousser le gouvernement, ou en tout cas ceux qui sont en charge de la sécurité, à soupçonner que vous ne soyez une cellule terroriste. Bah, en tout cas, si c'est le cas, ça serait quand même inquiétant pour notre organisation et ça serait inquiétant pour l'ensemble de nos activités, pour nos bénéficiaires et aussi pour l'ensemble des musulmans qui, je le rappelle, quand même, ils se sentent stigmatisés. Donc ce sentiment, ce n'est pas le sentiment seulement de l'association Baraka Est-ce City, qu'on mais n'a c'est. pas dépassé la stigmatisation pour aller vers l'humiliation? En tout cas, c'est vrai qu'il y a des actes, lors de la perquisition, c'est vrai qu'on s'est senti quand même. Assez humilié parce que c'est quand même disproportionné par rapport à l'utilisation d'un drone. Faut rappeler quand même, je tiens quand même vraiment à le rappeler que ils étaient venus pour la recherche d'un drone, mais on n'a pas été inquiété d'un second drone qui était présent dans nos locaux. Et ce qui a été pris en photo, c'était des Corans, c'était notre mosquée personnelle. Mais c'est normal, le Coran est une arme de destruction massive, c'est connu. C'est ça. Donc, il y avait notre fil d'actualité Facebook, Twitter. Donc, c'était c'est pour ça que j'arrêtais pas de poser la question. Mais en fait, l'objet de la perquisition, c'est quoi? Que je comprenne. Comme ça, moi, vous me demandez. Moi, je vous donne les éléments qu'il faut. Mais c'était des prises de photos, voilà, du drapeau En tout palestinien cas, de. on a senti que la communauté musulmane s'est mobilisée sur les réseaux sociaux et vous a exprimé une solidarité extraordinaire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que vous On l'avez les remercie ressenti? beaucoup, on les remercie vraiment chaleureusement. Et c'est ça vraiment la force de. Je pense que maintenant l'association Baraka City, c'est pas l'association de Moussa, de Idriss, c'est l'association de ces plus de 500 000 personnes qui nous suivent sur Facebook, de ces 40 000 abonnés sur Twitter, de ces millions de personnes qui nous suivent sur Internet. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire, les associations comme le CFCM ou l'UEF devraient jouer leur rôle. Vous avez un sens de l'humour super bien développé, je crois, hein, parce que est-ce que vous y croyez vraiment que ces associations ou ces instances dites représentatives pourraient vraiment jouer un rôle, Bah en vu tout le cas, c'est silence assourdissant depuis des décennies, hein? bah en tout cas, c'est l'objet même Leur organisation. de leur organisation. Le CFCM, quoi, c'est en tout cas, comme tel, il est présenté pour pouvoir être le porte, théoriquement, il doit être le porte-parole de la communauté musulmane et défendre l'intérêt des musulmans, des organisations musulmanes, comme celle de l'association Baraka City. Qu'est-ce que ça vous, je veux dire, inspire, ce que vous avez vécu? Est-ce que cela vous incite à de la résistance civile pacifique et à continuer votre action que vous estimez nécessaire pour ceux qui en bénéficient, ceux qui souffrent, que vous aidez? Ou bien est-ce que vous êtes dégoûté et on peut le comprendre et vous jeter l'éponge? Vous êtes dans quel état d'esprit? L'état d'esprit, après je laisserai parler Moussa, parce que c'est vrai que ton avis aussi est important. On porte le deuil d'un certain nombre de personnes. Moi, des personnes que j'ai rencontrées au Togo, que j'ai rencontrées dans plusieurs voyages humanitaires à Gaza, ces personnes-là, on leur a fait une promesse. Cette promesse-là, elle sera exposée devant le Seigneur de l'univers, devant le Seigneur des hommes et devant le Seigneur de ses politiques. Donc c'est-à-dire que rien ni personne, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, pourra nous faire reculer. Ça, je le dis de manière très froide, très posée. Ce n'est pas des paroles héroïques. Elles seront exposées sur la balance le Dans le jour dernier. respect de la loi de votre pays ou en dehors?
Dans le respect, tout ce qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui, c'est conforme. Hein. Quand j'ai parlé du commissaire aux comptes, etc., c'est conforme au droit français. Mais à un moment donné, je ne peux pas être plus... Vous n'êtes pas dehors la loi, quand même. Non, mais à un moment donné, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Je fais les choses conformément au droit français. Mais après, si vous voulez, tout ce qui est la suspicion, etc., je ne peux pas montrer... je ne peux pas être encore plus transparent que je ne le suis à l'heure d'aujourd'hui. Vous comprenez? D'accord. Quel est votre état d'esprit, Moussa? Mon état d'esprit à moi, ou que ce soit Baraka Non, en City, tant que Baraka City, en tant bien que évidemment. Baraka City, Et c'est difficile de dissocier le sentiment humain de ce que vous avez vécu de votre engagement. Parce que si vous êtes dans Baraka City, c'est parce qu'aussi c'est une décision personnelle de vouloir aider l'autre. Bien sûr. Alors, moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, à Baraka City, on est plus que déterminé à aller de l'avant, malgré toutes les attaques qu'on a pu subir. Quoi qu'il en soit, on va aller au bout. Et nous, on a un devoir envers toutes les personnes avec lesquelles on s'est engagé, que ce soit en Centrafrique ou en Birmanie. On est témoin de beaucoup de choses et aujourd'hui, on s'est placé en tant que défenseur de ces personnes-là, donc défenseur des droits de l'homme. Au jour d'aujourd'hui, que ce soit humanitaire, que ce soit politique, on veut aller au-delà de tout ce qu'on peut subir ici, à défendre ces personnes-là. Donc notre engagement, notre détermination, notre force, aujourd'hui, elle ne fait que s'agrandir par la force de cette communauté qui nous soutient chaque jour. Quand, par exemple, on a vu qu'on avait publié que 19 policiers étaient venus nous perquisitionner, on a vu que, je crois, c'était 10 000 personnes qui étaient prêtes, qui avaient témoigné de son soutien et de venir nous accompagner. En tout cas, bonne continuation dans votre action humanitaire et dans votre combat pour les droits de l'homme et pour l'égalité, justement, des droits des uns et des autres. Égalité face à l'injustice sociale, égalité face à l'injustice du droit, tout simplement. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je vais faire une petite digression. Je vous apporte, à titre personnel et non pas le journaliste, mon soutien absolu pour une raison simple. En vous écoutant parler, cela me rappelle 13 ans en arrière. La même descente dans les locaux de Mecacola et les mêmes suspicions et les mêmes accusations infondées et qui se sont terminées par un procès dont François a qualifié. Résultat du procès, Mecacola a fait pchit. Donc c'est certainement des pchit qu'on entendra suite aux attaques et continuez votre action humanitaire. Beaucoup de gens comptent sur vous, beaucoup de gens ont besoin de vous. Merci encore une fois. Je remercie tous les donateurs, toutes les personnes qui nous ont soutenus. Toutes les personnes qui nous envoient leur message de soutien, ça nous fait vraiment chaud au cœur. On a vécu avec eux, bon, c'est-à-dire on est marié avec ces donateurs, avec ces personnes qui nous suivent. Et je ne peux pas terminer une émission ou un discours sans les citer. Sans eux, on n'existera pas. Exactement. Et il y a une promesse aussi, et je réitère encore cette promesse, c'est toujours et toujours et toujours et toujours pour les Rohingyas, les Birmans, pour les Rohingyas. Les Centrafricains, les Syriens, les Gazaouis, on jure devant Allah subhanahu wa ta'ala que bi'idhnillah, inshallah, on viendra à bout de votre souffrance dans la mesure de nos capacités jusqu'à notre dernier souffle, bi'idhnillah. Inshallah. Merci Idrissi Hamidi, président de Baraka City. Merci Moussa Chanchong. Très bien. J'ai bien prononcé. Très bien. Chef de projet humanitaire. C'est ça. Merci à vous.